Au Gabon, la statistique constitue une priorité pour les instances de la République. Cette dernière est indispensable au développement économique, y compris à nos efforts de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. En cela, nous nous conformons à nos engagements internationaux, notamment la stratégie révisée d'harmonisation des statistiques en Afrique, adoptée en 2018 par les chefs d'État et de gouvernement. En gros, il s'agit de mettre en œuvre l'outil qui permettra de mieux répondre aux exigences de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations unies. Les statistiques touchent tous les aspects de la vie moderne. Elles sous-entendent de nombreuses décisions des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités. Elles renseignent sur les tendances et les forces qui influent sur notre vie, a rappelé Raymond Dong Sima. La statistique est, je dirais, à l'économie, ce que l'air est à l'être humain. Si vous n'avez pas d'air, vous ne respirez pas, vous mourrez. La statistique, c'est un outil d'aide à la décision qui vous permet de savoir exactement comment un problème se présente, qui est concerné, à quel niveau, à quelle hauteur, dans quelle proportion. C'est ça la statistique. Et c'est ça qui vous aide à prendre une décision. Si vous ne savez pas quelle est votre statistique, alors vous ne pouvez pas prendre une bonne décision. Le gouvernement de la transition, qui a instruit de faire large diffusion sur l'intérêt d'un tel outil, entend doter le futur Institut national de la statistique d'un siège conforme aux normes internationales sur lesquelles les autres instituts de la sous-région ont été bâtis.